Ok, on est parti pour un tour. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis super contente de pouvoir rejouer avec vous à Quels sont ces Disney Bound en partenariat du coup avec la Pixie Army. Vous m'avez envoyé plein de beaux looks, je les ai décryptés une première fois dans la première vidéo de dimanche dernier et là du coup j'ai fait une seconde partie parce que j'en avais reçu beaucoup trop et que vous auriez explosé au bout d'un moment, il y en avait beaucoup trop. Voilà, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. Et on a encore une cinquantaine de Disney Bound. On va pas perdre de temps, je vais m'y mettre tout de suite. C'est parti. Du coup, je commence par le premier Disney Bound. Et en fait, le premier Disney Bound, il m'évoque plusieurs looks à la fois. Il y a plusieurs possibilités. On a Penny de Bernard et Bianca, et je pense que c'est ça. Notamment grâce aux couettes qu'elle s'est fait, et notamment l'ours en peluche qu'elle tient dans ses bras. Mais la salopette pour moi ça peut être utilisé pour d'autres personnages. Je pense notamment à Belle de La Belle et la Bête. Puisque moi c'est quelque chose que je représente assez régulièrement, j'avoue, j'aime bien utiliser ça pour ça. Je pensais à Jean-Christophe jusqu'à ce que je me rappelle que Jean-Christophe est pas du tout habillé comme ça. Donc voilà. Prochain look, il est génial. J'adore ta pose sur cette photo meuf. Pour moi c'est très simple à reconnaître et... c'est une version un peu pin-up, un peu glamour de Cruella d'enfer. Ce que j'adore, c'est que t'as mis des petites boucles d'oreilles vertes aux oreilles, un rouge à lèvres bien rouge pétant comme on l'aime, et ton petit sac à main sous le bras, vraiment top du top. Et je sais pas si c'est une jupe ou un pantalon que tu portes, à mon avis c'est une jupe crayon, elle est géniale. Il me semble que cette membre de la Pixie Army l'a fait elle-même et je l'adore, donc bah, bien évidemment c'est Hollywood Tower, je pense que vous l'aurez reconnu vous aussi. Le détail de la robe, j'espère que tu le porteras une prochaine Dapper Day et que j'aurai l'occasion de te voir dans cette tenue, mais ça te va atrocement bien, j'adore. Ça commence bien, il y a du niveau dans cette vidéo. Alors là on a une membre de la Pixie Army qui m'a dit que c'était son premier Disney Bound et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très réussi. C'est Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige, directement on la reconnaît. Les couleurs sont parfaites et je sais pas si je me trompe mais j'ai l'impression que t'as des petites pommes aux oreilles. Parfait. Alors look d'après, là on est sur un look où honnêtement j'ai aucune idée de qui ça peut être. Mais alors vraiment, je vous le dis honnêtement, je vous le dis honnêtement. Mais c'est aussi ce qui fait que le Disney Bound est assez bien fait, c'est que les touches sont très subtiles. Donc est-ce que le collier est un indice? Est-ce que les couleurs sont un indice? J'aime beaucoup en tout cas la forme de ton haut qui pour le coup pour moi colle bien à une aurore mais les couleurs ne vont pas donc ça doit pas être ça. Je vais laisser la parole à la Pixie Army qui arrivera sûrement à mieux dîner que moi. Là c'est beaucoup plus facile, c'est Gaston et là le détail qui tue pour moi c'est vraiment la chemise par dessus, le col rouge. Comme quoi on peut associer les couleurs et tout, était trop belle. Alors pour le coup si tu veux vraiment faire Gaston en bas, peut-être pas mettre du jean mais mettre plutôt du noir ou du marron pour coller plus au personnage dans les couleurs mais rien que le haut est hyper identifiable. Et t'aurais pu faire une queue de cheval aussi pour vraiment coller de ouf au personnage mais rien comme ça c'est canon. C'est Juju du coup qui est une membre de la Pixie Army que je connais depuis assez longtemps. Bah je dirais bien évidemment Mrs. Samova, pas Zip pour le coup parce qu'il y a le chapeau qui nous donne un indice. Après je sais pas si tu t'en rends compte mais il y a quand même moyen de faire pas mal de personnages avec ce genre de couleurs. Et le premier que j'ai en tête, alors il faudrait mettre un peu moins de blanc et peut-être plus du gris pour le coup, ce serait de faire peur. Notamment grâce à ton petit foulard à carreaux qui serait parfait pour l'incarner avec les chaussures et tout. On tient un truc je pense. J'en suis à un point où maintenant je trouve des Disney Bound ou Disney Bound. Alors celui d'après, moi je dirais que c'est Blanche-Neige. Après, est-ce que je me tromperais potentiellement avec les collants? À moins que ce soit Blanche-Neige version la valse des princesses vu que quand elle lève son jupon, je crois qu'elle a du blanc en bas. Mais j'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup tes chaussures, j'aime bien comment on rend l'ensemble. Alors prochain look, moi j'y vois une Vaiana. Hein. Mais j'aime bien l'idée de penser que c'est Vaiana. Mais le détail de la paille, le motif un peu sur le haut, le bas un peu marronné, ouais moi j'y vois Vaiana. Est-ce que vous avez une autre interprétation? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celui d'après, moi je verrais bien Souillon de Lilo et Stitch. Alors j'avoue que le bandeau m'aide beaucoup, mais j'aime bien l'idée en tout cas, soit Souillon. Si c'est elle, c'est vrai que j'aurais peut-être eu tendance à me faire un chignon haut ou quelque chose pour rappeler le personnage. Mais avec la couleur du haut, je dirais que c'est ça. Et alors celui-ci... qui est aussi limite pas Disney Bound par rapport aux jambières. Si t'enlèves les jambières, ça serait plus. Enfin, ça collerait plus à l'esprit Disney Bound. Mais c'est Judy Hopps. Et j'adore du coup l'idée des petites couettes pour la représenter. C'est un truc que j'ai déjà fait aussi. Et j'aime beaucoup.
Alors là, on a un look qui me fait penser à du Roi Lion. Après, lequel ça pourrait être? Moi, le haut, j'aurais tendance à dire Scar. Hein. Pour moi, ça colle plus à Scar. Après, il n'y a pas trop de détails de noir sur la tenue. Donc, est-ce que c'est plus Simba ou Mufasa? Simba par rapport aux oreilles, peut-être Timon. Mais ouais, en tout cas, moi, je dirais univers Roi Lion. Je sais pas si vous penchez pour un personnage en particulier. Mais encore une fois, super cool d'avoir un garçon qui a participé. Je crois que c'est le troisième ou quatrième que je vois quand même passer. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ok, look d'après. Je suis vraiment nulle aujourd'hui. Hein. Bah, c'est tout rouge, je crois. Je sais pas si la photo est flatteuse dans le sens où j'ai un doute entre du fuchsia et du rouge et ça peut complètement fausser ma vision du personnage. Après il y a un petit nœud dessus donc moi là instinctivement je dirais Sébastien, mais est-ce que c'est ça? Je suis pas sûre hein. Et je suis sûre que vous allez trouver en commentaire et je vais me dire mon dieu mais quel quiche Pixie quoi, quel quiche, mais là comme ça difficile. Par contre celui d'après me paraît un peu plus simple, pour moi c'est Marie des Aristochats. Par rapport au fait qu'on a un total look blanc et par rapport aux détails qu'il y a dans les cheveux autour du collier. Pour moi même t'aurais pas mis le collier mais juste le détail dans les cheveux on le reconnaissait. Mais on est sur un look du quotidien très printanier et que je trouve très très mignon. Quel personnage ça pourrait être? Franchement avec ta dégaine j'imagine tout de suite une princesse. Mais il y en a aucune qui me vient à l'esprit. Je sais pas si je dois me fixer sur les couleurs, sur la forme des vêtements. En tout cas j'adore ta tenue, sache-le. Là comme ça pourrait être une fée clochette hein. Avec le haut, avec la coupe, avec le petit truc dans les cheveux. Ça pourrait être qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le premier auquel j'ai pensé c'est Fleet du coup de Pocahontas, mais il n'y a aucune touche de rose flashy. J'aurais pu penser à Tiana aussi. Encore une fois je sèche, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Je suis désolée, en plus franchement j'adore tes looks. Ah ouais tu m'en as fait plein en fait hein. Et là on a pour le coup un polochon, alors assez facile à reconnaître avec le petit pin qui fait la différence. Mais je trouve que les couleurs sont aussi bien respectées entre le haut et le bas. Là on a un total look bleu, pour moi ce serait Jasmine. Pour les détails de bleu et de doré, le crop top, le détail dans les cheveux aussi, les grandes créoles. Après c'est vrai que t'as pas adopté l'espèce de coupe qu'elle a en même temps un peu compliqué à refaire. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Ouais je partirais sur Jasmine. Oh et ce look tout mignon, tout kikinou, j'adore cette robe. Tu vas me dire où tu l'as achetée. Elle est trop belle. Moi je dirais que c'est Charlotte de La Princesse et la Grenouille. Alors je vais chercher loin mais je vous explique. Moi ça me fait penser à la tenue un peu vintage qu'elle porte avec le détail sur le côté. Et je trouve que la robe fait assez vintage elle aussi. Donc moi c'est ce que je dirais. Là ça me saute aux yeux et principalement grâce au petit nœud que t'as mis dans les cheveux. Parce que le rouge et le jaune on dirait pas comme ça. On peut incarner plusieurs personnages avec ces couleurs. Ça aurait pu être Mouchou. Ça aurait pu être également Winnie l'ourson. Et je sais que vous le savez pas la Pixie Army. Mais vous aimez bien Winnie l'ourson. Alors je comprends, moi aussi j'ai déjà fait des Disney Bound. Mais du coup j'ai eu plusieurs looks du même personnage que je vous mets du coup juste là. Et ça m'a fait beaucoup rigoler. Mais là pour le coup on a un Tweedledee ou un Tweedledum au choix. Qui est assez bien représenté. Et je trouve que la façon dont t'as posé ta veste est hyper stylée. J'aime bien le détail aussi à la taille. Je trouve que tu l'as rendu très urbain et j'adore. Les membres de la Pixie Army sont quand même assez stylés hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors là du coup on a une membre de la Pixie Army qui a caché sa tête. Mais le Disney Bound est assez facile à reconnaître. Alors encore une fois si on part sur du Disney Bound pur où on donne pas des indices à Tata Pixie parce qu'on sait qu'elle est nulle, on tombe assez facilement sur Mérida et j'adore la façon dont tu l'as faite. La jupe assez longue me rappelle vraiment le personnage pour le coup et j'aime beaucoup. J'ai pas vu le dessin animé mais enfin j'ai vu quelques épisodes en vrai mais je connais pas très bien. Mais on est clairement sur Gravity Falls hein, et la pose est géniale entre vous deux donc j'adore. Super idée. Là encore super idée mais vous faites un groupe de ouf. Donc ça c'est les personnages des mondes de Ralph. Ah, je suis en train de penser dans la vidéo précédente il y avait une fille qui avait une jupe qui ressemblait un petit peu à celle-ci avec un haut bleu. Ça aurait pu faire les mondes de Ralph aussi. Vanellope. Donc on a du coup Félix Fix, Vanellope et Ralph Lacasse. J'aime beaucoup la dégaine, vraiment au top. Alors pour ce personnage on a plusieurs options. La première qui me vient en tête c'est Anna, avec notamment les cheveux roux etc. Hein. Je trouve que ça colle bien à Anna et en fait ça me fait beaucoup rire parce que le pantalon c'est le même que celui que j'avais pour incarner Ariel il y a quelques années en arrière à Disneyland Paris et je trouve ça très très bien. C'est une très bonne idée. Là encore une super idée de Disney Bound, on a un Andy quoi.
Et alors, est-ce qu'on en parle de tes chaussettes parce qu'elles sont trop belles? Ça pourrait coller à Absolem, mais je pense que tu as choisi de représenter Alice, principalement grâce aux petits nœuds dans les cheveux, c'est comme ça que je le reconnais le plus facilement. Et j'aime bien la forme de la robe aussi qui colle bien. J'aurais peut-être mis quelque chose de blanc, peut-être des collants blancs ou un petit truc par-dessus blanc pour vraiment rappeler le personnage d'Alice, qu'on ait les trois couleurs, mais on le reconnaît bien comme ça. Alors on est sur une membre de la Pixie Army qui m'a envoyé plusieurs Disney Bound. Et là, pour le coup, c'est vrai que la façon dont tu tiens aide beaucoup. On reconnaît donc du coup le capitaine Crochet assez facilement. Et principalement, ton haut le rappelle. Encore une fois, pour moi, pour vraiment reconnaître le Disney Bound, il faut essayer un maximum d'avoir toutes les couleurs du personnage. Donc peut-être qu'un peu de blanc ou un ceinturage à la taille, un peu comme on l'a vu sur d'autres Disney Bound qui représentaient le personnage, aurait pu aider. Mais c'est vrai que les bottes, surtout... Et les petits pins sur le côté rappellent bien le personnage. Donc en fait je pense que quand on a des pièces fortes, c'est facile à reconnaître. Plus on s'éloigne des couleurs, des accessoires, etc. Et plus ça devient difficile. Mais là pour moi, si t'enlèves le chapeau, c'est un look qui est quand même facilement portable au quotidien. Ah, cette fille elle est trop choupette. Alors, deux options, hein. Soit c'est Mickey, soit c'est Minnie. Moi j'ai envie de croire que c'est Minnie quand même. Non, j'ai pas envie de croire que c'est Minnie, je suis en train de réaliser là. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Non, 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 j'ai envie de croire que c'est Mickey, bien évidemment. J'aurais tendance à dire que c'est Mickey quand même. Parce que t'as rien mis de petits nœuds dans les cheveux ou quoi que ce soit. Pour moi, Minnie est un peu plus glamour. Alors, look d'après, bah je pense que j'ai pas la ref. Mais parce que j'ai pas dû voir le Marvel en question. Je pense que c'est un Marvel. Ça a l'air d'être Iron Man par rapport à ce que je vois sur la ceinture. Et par rapport aux détails qu'il y a sur le vêtement, sur le t-shirt. Sauf que moi, Iron Man, pour moi, il est rouge et jaune ou doré. Est-ce qu'il a une tenue où il est en noir? Si c'est le cas, je suis pas au courant. Mais parce que je suis pas assez fan de Marvel. Désolée pour ce look-ci. Et encore un garçon, donc c'est cool. Cool, cool, cool. Moi, je suis contente de voir aussi que des mecs font du Disney Bound. Le premier personnage auquel je pense, là, c'est Hiro Hamada dans Les Nouveaux Héros. Je m'excuse si c'est un personnage de Marvel, mais pour moi, c'est Les Nouveaux Héros à fond. Hein. Et je pense que c'est un personnage de Marvel parce que la tenue d'après est un look Spider-Man. Ça me semble assez évident avec le t-shirt. Après, peut-être que je me trompe encore une fois. On serait sur un total look Marvel, peut-être. Là, on a un look Olaf. Et j'adore l'idée, je pense que ça doit être ta maman, je suppose. Mais je trouve ça trop bien d'avoir mis la petite ceinture. Je pense que c'est une cravate, mais je trouve que le détail d'orange qui sort comme ça est pas mal. J'aurais peut-être mis un peu plus sur le côté pour le quotidien. Ou peut-être que j'aurais rentré le t-shirt dans le pantalon, parce que j'adore faire ça, pour qu'on voit bien la ceinture. Et les petits boutons sur le col, sur le t-shirt, rappellent bien aussi le personnage, en plus le pin. Vraiment, j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est lumineuse, ta maman. C'est peut-être pas ta maman, mais elle est lumineuse en tout cas. Ah là, on est sur un look que j'aime beaucoup, puisqu'on a encore un look Judy de Zootopie, version mec. Alors franchement, vous faites un super groupe, hein. Franchement. Les groupes sont validés, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Et alors le petit pins Zootopie, tout discret, mais qui fait tellement la différence, j'adore. Là, on est sur un look que j'aime beaucoup. Je sais pas si le t-shirt est un t-shirt, enfin le sweat est un sweat Ralph ou officiel en tout cas, mais je trouve qu'il colle vachement bien pour incarner Vanellope, donc moi je me valide à 100%. J'adore ton look, j'adore le petit nœud dans les cheveux, enfin j'adore, trop bien, trop trop bonne idée. Et c'est un personnage que j'aimerais beaucoup faire d'ailleurs. Une petite toute mignonne qui pourrait pour le coup ressembler à Ariel Robe Rose ou à Cendrillon Robe Rose, puisqu'elles ont toutes les deux des robes un peu similaires avec les nœuds, etc. Par contre on est limite hein, côté Disney Bound, dans le sens où les petits trucs sur les côtés je pense ont été rajoutés. Je pense pas que t'aies des vêtements comme ça, après je me trompe peut-être. Mais du coup dans ce cas là ça fait un peu moins Disney Bound, ça fait limite cosplay du personnage. Mais j'adore les couleurs. Et en plus, bon alors faut aller chercher un peu loin. Mais avec des couleurs comme ça on peut aussi faire Marie des Aristochats, voire peut-être même Vaiana. On peut partir dans les princesses, enfin il y a pas mal de possibilités avec ce genre de vêtements. Là pareil, on est vraiment à la limite entre Disney Bound et déguisement, parce que l'écharpe est en dessous en fait la ceinture, elle serait portée par dessus. On pourrait imaginer que tu l'as mis par dessus ton manteau ou quoi que ce soit. Là ça se voit que c'est vraiment représenté pour faire le personnage. Ceci dit, ça te va à ravir, ça te va trop bien. Je suppose du coup que tu incarnes Rey. Maintenant que j'ai vu Star Wars, je peux le dire. Je trouve que les couleurs sont très bien choisies. J'aime beaucoup le détail du coup de la ceinture. Et j'aime beaucoup le côté drapé devant.
Mais ouais, je l'aurais mis par-dessus. Après, je comprends pourquoi tu l'as mis en dessous, parce que bah du coup, avec la ceinture, on a vraiment l'esprit de Rey, ce qu'on aurait peut-être pas forcément eu si t'avais fait l'inverse. Là, encore une fois, un look très coloré, très joli. Et alors, je sais pas où t'as trouvé ce haut, mais il est génial pour incarner Ariel. En plus, je sais pas si t'as vu, on a une petite connexion, puisque j'ai mes oreilles, moi, aujourd'hui, d'Ariel. Et je trouve ça très joli. Et tu vas vachement bien avec Mickey, faut le dire. Il y a pas mal de choses à faire avec du rouge, du blanc et du jaune dans l'univers Disney. Cette fois-ci, je dirais pas que c'est roublard pour le coup. Je m'attends plutôt à la tenue que porte Minnie dans le Jungle Jive. Ce qui m'indique principalement ça, c'est les chaussures et le fait que tu choisis des oreilles Minnie. Mais vous êtes quand même cruel de mettre du Minnie en Disney Bound pour ce jeu. Hein. Je voudrais pas dire. Hein. Là, on est sur un des coups de cœur que j'avais screené. J'avais trouvé l'idée absolument géniale. C'est hyper simple hein, comme tenue, vraiment. Il n'y a aucun détail, il y a juste deux couleurs. Et on reconnaît pour moi tout de suite Lilo. Lilo avec du coup le moment où elle danse comme ça là. Et je trouve ça trop mignon. Alors c'est vrai que moi, parce que moi j'aime bien être too much, j'aurais rajouté un détail avec des fleurs blanches. Soit dans les cheveux, soit une paire de boucles d'oreilles, soit... J'aurais peut-être ajouté quelque chose. Mais en soi, parfois, less is more, tu vois. Et on est totalement là-dedans. Ah ouais, on est sur une fille qui a un style de ouf. Il faut le dire. Que je trouve très beau. Mais alors... Le premier, j'ai aucune idée de qui c'est. Ah, oh la loose. Est-ce que c'est encore une mini? Est-ce que c'est un autre personnage? Et même l'horloge que tu... J'ai l'impression que c'est une horloge, le collier. Je reconnais que je vois pas du tout. Et je suis sûre que je vais me sentir très très nulle hein, après avoir su qui c'était. Mais n'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires. Ça prouve aussi en vrai que j'ai pas triché et que du coup je connaissais pas les réponses d'avance. Mais j'ai aucune idée de qui c'est. Alors là pour le coup on est sur un personnage que je suppose être un méchant parce que les personnages en noir généralement sont méchants dans l'univers Disney. Encore une fois peut-être que je me trompe, peut-être que le choix des lunettes de soleil n'est pas anodin non plus. Le fait qu'il y ait un détail jaune dans les cheveux, est-ce que c'est pour me dire que c'est un personnage qui a les cheveux jaunes? Est-ce que... c'est compliqué honnêtement... Je me sens très nulle aujourd'hui, hein, je peux le dire. Hein. Vous avez réussi à m'avoir la Pixie Army. Je te trouve hyper stylée, vraiment. J'adore ta tenue. Mais je serais incapable de reconnaître le personnage. Voilà. Je m'avoue vaincue. Là, on a un total look noir, pour le coup. Un chat dans la main. Mais en tout cas, t'as un super style, hein, il faut le savoir. Je regarde si je vois d'autres détails. T'as un béret, est-ce que c'est... Ouais, je dirais Bagheera pour celui-là. Je dirais Bagheera. Après peut-être que je me trompe encore une fois. Et alors le petit dernier que j'adore, faut le dire, franchement il est trop bien, c'est les aliens. C'est les aliens de Toy Story. Mais alors ce look est génial, vraiment. C'est-à-dire que j'adore le béret, j'adore le violet que tu as choisi, j'adore la petite pochette pour le sac. Tous les rappels de couleurs sont merveilleux. Bravo vraiment pour ce look. Bon et bah voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale Disney Bound. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à m'envoyer vos looks pour la prochaine session, à me donner vos théories, à me dire dans les commentaires du coup si vous avez participé, si j'ai vu juste ou pas pour vos looks. J'essaierai peut-être de faire un peu moins de looks la prochaine fois parce que 50 d'un coup, enfin 50 plus 50 puisque j'ai tourné les deux d'affilée, ça fait beaucoup, mais j'étais super contente de jouer et j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors, en post-générique, je me suis dit que c'était à mon tour de vous faire un peu galérer. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre ici une photo d'un de mes Disney Bound que j'ai pas posté sur Instagram. Pas vraiment, en tout cas. Et je vous invite du coup à essayer de deviner lequel c'est. Voilà. Bon courage. Bisous.